Salut à tous, c'est Suri et bienvenue pour l'épisode 8 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Nous sommes toujours avec la EC Motherfucking W. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, nous allons booker November to Remember. C'est notre troisième gros événement depuis qu'on s'est lancé sur cette carrière. Je vous cache pas que sur cet épisode, il risque d'y avoir pas mal de changements. Parce que le gros problème, hein, en analysant ce qui s'est passé récemment, en regardant vos commentaires, les copains, le problème de la structure, il est là. C'est que j'ai énormément de gens qui font la gueule. Ça fait la gueule, hein. C'est pas bien. Axel Rotten, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Parce qu'on l'a pas utilisé sur un Hardcore TV. Bon, on l'a même pas encore utilisé du tout sur les épisodes d'Hardcore TV, donc ça lui casse les biais. Pareil pour John Crolus. Et aussi par rapport à un incident, enfin bref, Too Cool Scorpion, lui, il a surtout un problème, alors avec les Hardcore TV, là encore, mais surtout par rapport à la blessure qu'il a subie, donc les gens commencent à faire la gueule. Taz, c'est pareil, alors Taz, par contre, il apparaît régulièrement, mais malgré tout, il fait la gueule, alors pourtant, il y a plus de positifs que de négatifs, mais il y a toujours cette histoire avec Too Cool Scorpion qui le gêne. Perry Saturn, pareil, parce qu'on l'a pas utilisé. Et enfin, Francine, moi, ça m'embête le plus parce que on lui cite des contrats, elle fait la gueule à cause de sa gimmick, on lui a changé de gimmick, elle fait encore la gueule. Bref. Entre ça, plus les problèmes backstage, malgré que Terry Funk essaye de payer un coup à tout le monde, il est incroyable, Terry Funk. Malgré tout ça, c'est le bordel. On va aller voir le backstage. Alors, regardez, backstage, personnalité, Cronus, influence négative, Zanding, influence négative, New Jack, extrêmement négatif. J'aurais tenu 8 épisodes quand même avec New Jack. Est-ce que je vais aller plus loin? J'ai des doutes. Ça commence à faire beaucoup. Paul Heyman, négatif, extrêmement négatif, Paul Heyman. Hein, le vice de Paul Heyman dans les années 90. Oh là là, qui payait pas les mecs, tout ça, enfin bref. Scott Steiner, et puis mais la pression, Paul Heyman. Scott Steiner, négatif, Rob Van Dam, négatif, Taz, négatif maintenant, Sandman, négatif, voilà, moi je dois juste me démerder avec quelques gens, alors Bubber et Dudley, heureusement, positive, Devon, positive, Joey Style, positive, ça va, il y a quelques trucs, Rocky Maivia, extrêmement positif, heureusement qu'on a The Rock, mais bref, c'est le bordel, il y a de la hit backstage sur Zandig, bah, surtout parce qu'il y a aussi qui se fout de sa gueule en plus, il y a New Jack qui s'est pris la gueule avec un fan, donc ça voilà, moi je laisse passer, je suis peut-être un peu con. Et les backstage rules aussi ont un effet négatif sur le moral, alors pourtant, je leur ai autorisé à fumer backstage, hein, ils ont de l'alcool, ils ont le droit d'avoir de la drogue, enfin bref, pour moi tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Nobody Leaves, non, s'ils veulent se barrer, ils peuvent se barrer avant la fin du show, ça je m'en fous, Dress Code, non, No Outsider Allowed. Ah, je sais pas, on peut essayer de leur mettre, je sais pas, une masseuse ou de la bouffe. On va leur mettre de la bouffe. On va leur mettre de la bouffe backstage, je sais pas combien ça va nous coûter, mais on va essayer de faire ça, ça va peut-être aider. Bon, les transports, les hôtels, voilà, ça on va peut-être pas déconner. Allez, on va leur mettre la bouffe et une masseuse. Je sais pas ce que ça va coûter. Peut-être que c'est noté, tiens, peut-être qu'on a l'info ici. Oui, non, bon, bref. Ça baisse les... Ok. Alors, le coup, on verra bien, on découvrira ça. Le catering, ok, ouais, bon, on va voir. Je vais voir si ça coûte cher. De toute façon, on fait du test, ça se trouve, on peut énormément d'argent. Vous m'avez parlé également de l'argent dans les commentaires. Bah justement, on va aller faire le point, on va aller tout de suite dans notre petite section commentaires, les copains, sans plus perdre de temps. Alors, la section commentaires qui arrive avec un premier commentaire de la part de Ed B. Qui nous dit « Salut Sturi, que penserais-tu d'une formation d'une alliance avec la FMW ou autre ligue étrangère, NJPW, etc. Il y a moyen de faire des prix entre les ligues, ça donne la possibilité de faire lutter des catcheurs qui ne sont pas actifs aux USA dans ta ligue, ils deviendront alors dispo aux États-Unis. Bien qu'il reste le problème de la popularité, ça n'engage pas un contrat à long terme. Il y a même moyen de faire des ceintures communes entre ligues. Pour les classements, il y en a selon l'importance et d'autres selon l'influence, il me semble. » Alors, très bonne question, très bon point soulevé par notre ami Ed B. Alors justement, je vais répondre à ça parce que j'ai désactivé cette option, alors l'option des bases, voilà, de savoir quand, où est-ce que les catchers sont... Voilà, Restricted Areas, j'ai mis en off. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des catchers venant de n'importe quel... voilà, je l'ai désactivé ce truc-là.
Comme ça, je peux aller chercher du japonais autant que je le veux, je peux aller chercher du mexicain, je peux aller chercher de l'européen, sans qu'il y ait ce problème. Alors, c'est très bien hein, de jouer avec les restricted area, si vous mettez en semi pour que les mecs aient les passeports, pour pouvoir venir, etc., venir catcher. Moi, je l'ai pas mis pour quand même privilégier l'idée, en fait, de faire du fantasy booking, un minimum, hein, même si je me ligue, enfin, je suis quand même très restreint en termes de règles. Je l'ai quand même laissé malgré tout, j'ai enlevé les restrictions, donc j'ai pas besoin en fait d'aller faire des alliances, à moins que dans cette situation, enfin, est-ce que ça m'aiderait d'aller chercher, d'aller créer, alors, je peux aller, moi j'en sais rien, Frontier Martial, de toute façon j'ai un Working Agreement, ça marche déjà, les compagnies d'accord sont, voilà, les catchers peuvent apparaître dans les deux rosters, patati patata, pas de deal exclusif, patati patata, talent trader of the game. Donc oui, donc ça c'est pas forcément important parce que on n'est pas du coup soumis à ces règles des restricted areas. Hein, il y a pas de visa, il y a pas, tout le monde peut aller bosser chez qui il veut, comme il veut. Pas de problème. Commentaire suivant. Changeons de commentaire. Merci MB, Edby pardon, Lord Marcel qui nous dit le Lord. Salut Sturi, bien content de voir un nouvel épisode de ce jeu que tu m'as fait découvrir. Bah, écoutez, avec plaisir, bien entendu. N'aurait-il pas été mieux pour lancer The Rock de le faire gagner en battant New Jack? Ça aurait permis de punir New Jack en pushant plus fort Rocky qui battait un plus gros adversaire. Il me semble que ça aurait pu être une bonne idée aussi de recruter des grands noms de la ECW de l'époque que tu ne sembles pas avoir comme Sabu, Balls Mahoney, Mike Awesome ou encore Shane Douglas, voire Ken Shamrock. Pour la division féminine, tente Stéphanie pour le fun. Alors division féminine pour le moment j'en ai déjà parlé, c'est pas dans les plans, je projette pas pour l'instant d'avoir une division féminine. Catcher, j'ai déjà parlé de Sabu, il est sous en contrat pour le moment, enfin il tourne notamment avec la WCW. Et le problème de Sabu c'est que lui aussi en termes d'influence ça va pas être la grande joie. Il est en pleine guerre avec Taz, hein, ils peuvent pas se saquer. Et puis Sabu également ça coûte plutôt cher. Ah, voilà, il y a un comptant, voilà, ça coûte 2000 balles, ça bouge, je peux m'en passer. Par contre, tu m'as parlé, alors il y a un nom, je vais retenir, c'est Mike Awesome. Mike Awesome qui actuellement est, je pense, du côté de la FMW, voilà, il tourne avec la FMW en tant que main event, sous la gimmick du Gladiateur. Mike Awesome, c'est intéressant parce qu'une bonne note en hardcore, très bonne note en brawl. Il y a un peu de star quality, tu vois, 69, ça c'est pas mal aussi, c'est des choses que je regarde. Power 88, ça peut être en effet un très très bon choix, une très bonne recrue. En plus, il coûte pas forcément très très cher. Alors je vais attendre la fin du bilan économique de ce mois-ci, je vais voir également comment je vais faire mon ménage. Mais Mike Awesome, en effet, je comptais le prendre dans un avenir proche. Il y a moyen peut-être d'en faire quelque chose, en plus en termes de popularité dans la Twistate, il a 42, ça pourrait être un bon mid-carder à faire progresser. C'est loin, loin, loin d'être déconnant. On va passer à un autre catcher que tu m'avais suggéré, c'est Balls Mahoney. Balls Mahoney qui est ici, parfait, 23 ans en plus, très jeune, début de sa carrière. 45 dans la Twistate, plutôt populaire, avec là encore une fois, bonne note, correcte note en brawl et bonne note en hardcore. Il y a possibilité d'en faire quelque chose et pourquoi pas de le mettre en équipe avec Axel Rotten. Je pense que ce serait une chose pas inintéressante en effet. Il y a un peu de charisme, ça pourrait être un bon mid-carder. Par contre, ça coûte 1000$, tu vois, pour le même prix à peu près, je peux avoir Mike Awesome. A voir, j'y réfléchis. Je vais y réfléchir également à l'ami Balls Mahoney qui pourrait être peut-être bien utile. Puis psychologie, ouais, c'est pas mal, basique et psychologie. Il y a moyen quand même de construire des matchs, je pense, un minimum correct avec ce catcher qui a aucune relationship. Ouais, non, une équipe avec Axel Rotten, voilà, uniquement. Et une avec Gary Wolves également, ok. Faudrait voir aussi si le jeune homme pourrait être pote avec d'autres, j'en sais rien. Ça pourrait être aussi peut-être une bonne recrue. À voir, en tout cas, merci pour ce commentaire, mon cher Lord Marcel. Tu parlais également de Shane Douglas, de Ken Shamrock. Alors, Ken Shamrock, j'ai regardé, mais c'est pas véritablement très intéressant. En plus, il est en hiatus, donc on va pas se lancer dans la conquête de Ken Shamrock. Et puis, il a pas des stats intéressantes. Hein. Brawl, ok, la brawl, elle est à 58. Le hardcore, il est à 28. Au micro, 46, pas intéressant. Non, pas intéressant du tout. Shane Douglas, je pense que l'ami Shane Douglas est signé chez WWF. Voilà, c'est la période où il est Dean Douglas, qu'il a été champion hardcore pendant 10 secondes. Pas intéressant, les copains. Merci Lord Marcel. Et par contre, je vais vraiment réfléchir à The Rock pour continuer de le construire et voir ce que je fais de New Jack. New Jack, c'est le casse-tête. Oh, what the fuck, qui nous dit Sturi, j'ai une proposition à te faire pour Locker Room Control. Si New Jack frappe un fan,
Laisse faire comme ça, pas d'emmerde, et remercie-le aussi d'avoir frappé un infidèle. Oh là là, et c'est pas sympa. T'as bien fait de rien faire pour Zandig, pour qu'il apprenne qui c'est le patron. En plus, après, tu as plus de catcheurs avec une positive que négative influence, donc il risque de monter tout seul au fil des semaines. J'aimerais que ça monte plus vite parce que ça joue sur la qualité des matchs, malheureusement. Pour Cronus, c'est simple. Dans l'onglet roster, va sur moral, tu peux parler. Si ça marche pas, tu lui donnes un match solo. Et s'il est pas motivé, tu lui dis que c'est un gros con et s'il est pas content, tu fais un medal avec Bubba Ray. Si ça marche pas, tu le vires. Bonne continuation, merci. Plutôt radical, what the fuck. Plutôt radical, hein, pour la solution simple et efficace. Il va pas falloir passer par quatre chemins. Commentaire suivant de Stoner Matt, notre PGM, hein, sur TEW, avec toujours de précieux conseils. Salut Sturi, mea culpa pour le Regional Battle, cela inclut les compagnies qui vont entre F+, et D+, en popularité dans la région indiquée, donc SMW et USWA étant au-dessus, ces deux compagnies ne sont donc pas concernées. Vu la note que tu as eue, tu peux donc booker des shows là-bas pour ton expansion. On essaiera en tout cas, mais merci, tu vois, j'ai bien fait de le tenter quand même, cette expérience dans le South East. Pour le moral backstage, la place dans le roster joue un grand rôle, il faut donc non seulement des personnes ayant une influence positive, mais placées en haut de la carte pour contrebalancer. Tu peux peut-être aussi un peu relâcher les règles backstage, c'est ce que j'ai fait donc en début d'épisode. Un peu étonné que tu n'aies pas été plus radical avec New Jack, il me semblait qu'une règle tacite et que tu frappes à fat, tu dégages. Il me semble avoir lu des anecdotes à ce sujet, si je me trompe, merci d'éclairer ma lanterne. Non, là-dessus, je te confirme, tu as totalement raison, il y a des incidents de la sorte qui sont vraiment pas tolérés. Et pour l'instant, avec New Jack, c'est juste que je m'étais un peu fixé à ce petit défi que vous m'aviez lancé en tout début de série, à savoir pendant combien de temps j'avais gardé New Jack. 8 épisodes, hein, quand même. C'est pas rien. Bon, ça représente que 3 mois. Mais New Jack, complexe. C'est grâce à TEW que j'ai découvert la période des territoires. C'est vraiment passionnant. Monsieur Moonlight est en train de faire une review annuelle à ce sujet. Il a commencé, il me semble, par l'année 81. Et c'est très intéressant. En effet, superbe review de la part de Monsieur Moonlight que j'ai beaucoup apprécié. Il est The Story de Mauvais Goût, Rousseau Styles, Terry Funk aimant se payer des coups. Pourquoi pas lui donner une gimmick d'alcoolique et feuder avec le Sandman, avec des stipules passionnantes comme un Beer on a Pole match, un Iron Drinker Man match, avec Steve Austin en arbitre spécial. Allons mince, gimmick infringement, pas de Stone Cold. C'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas encore... Enfin, je peux, si je veux, je le renomme Stone Cold, j'en ai rien à foutre. Mais bon, ça aurait été réaliste avec la feu ECW, pauvre Scottle qui a été torturé, hein, par le ECW avec ses histoires d'alcool. Y a pas idée, franchement, enfin, bref. C'est juste histoire de faire une blague gounette, et ben écoute, l'humour te scie à merveille, mon cher Stoner Matt, et je te remercie pour cette petite note d'humour. Vous pouvez rire, bien entendu, dans les commentaires, c'est important, allez-y, faites-le. Arista qui nous dit « Bonjour Sturi, tout d'abord, j'ai adoré le dernier épisode, comme à chaque fois, cependant, je comprends que tu aies voulu mettre du Star Power dans ton dernier show pour concurrencer les autres, mais en faisant ça, tu as sans doute détruit ton bilan économique du mois. » Je pense que les efforts du mois précédent n'auront pas beaucoup servi, malheureusement. Pour le reste, vu que ton roster commence à arriver à une certaine finalité et que tu pourras faire des économies par la suite, après les prochaines recrues, tu pourras passer un long moment sans recruter de nouveau. Ce qui serait une solution en effet viable. Enfin, je pense que oui. Après, c'est toujours excitant d'aller faire des recrues assez régulièrement, mais il faut leur trouver aussi du taf, hein, voilà, des solutions pour les faire travailler. Pour les recrues, j'aimerais bien évidemment le meilleur in-ring de tous les temps, Dean Malenko. Bah oui, Dean Malenko, là tu parles de mon catcheur préféré bien entendu, qui pourra avoir des super matchs avec Rere, Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada ou encore Dan Severn. Alors Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada, je pense que c'est pas jouable. Dan Severn, c'est intéressant parce que populaire quand même dans la Tri-State, hein, et populaire de manière générale aux États-Unis. Maintenant, bon alors les stats vont pas m'intéresser, c'est MMA crossover, c'est même cas que Ken Shamrock. C'est pas un catcheur qui va être très intéressant pour notre structure. Par contre, en effet, Dean Malenko, alors là, Dean Malenko, je pense que ça sera... Faut profiter, hein, justement, que pour l'instant, il est seulement en Paper Appearance chez WCW. Il tourne également à la CWUSA, et en tant que même, il est champion là-bas. Ce qui est pas rien. Là, il y a de la brawl, bon, bof, enfin, 50 quand même, c'est pas trop mal. Hardcore, pas du tout. Par contre, après, voilà, c'est tout ce qui est sur match wrestling, submission, les basiques et la psychologie. Alors là, 90-85, imagine le bordel. On est quand même sur du super bon catcher, avec peut-être un peu un manque de personnalité. Pas très connu encore dans la Twisted, hein, tu vois, seulement 38. Dans la mid-card, il serait très intéressant. Ça ferait plaisir à Perry Saturn d'ailleurs, mais ça coûte quand même bien cher, hein, Dean Malenko, mine de rien, $1,900.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il vient juste d'être relâché par le CW avant notre épisode. Par contre, WCW le prend pas en exclusivité. Dean Malenko, qui pourrait être très très bien hein, dans cette midcard. Ah. On va voir si pour 1700... Ah, je craque un peu, hein, parce que j'essaie de, je me fais un peu plaisir. Dean Malenko, comme vous le savez peut-être, c'est mon catcheur préféré, je pense, même de tous les temps. C'est quelqu'un que j'adore. Il demande 1740. On va lui faire la propos. Et j'essaierai d'utiliser Dean Malenko dans la mid-card, ça pourrait être intéressant. Et il y a Chris Benoit également, hein, qui, sur qui je peux jeter un œil, qui pourrait être bien intéressant aussi. Là, actuellement, il est au Japon, il tourne avec la UFWI. Mais voilà, populaire dans la Twistate, super technicien, bien entendu. Avec là, par contre, il y a des stats qui sont encore bien plus intéressantes. Là, tu fais un match Colin Ring avec des mecs comme Benoit, Terry Funk, Dean Malenko. Tu t'éclates, hein. Tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu t'amuses. Ça peut être en effet une solution à adapter par la suite. Enfin bref. Je pense que, ouais, on va essayer d'amener, parce que je vois quand même que ces gros matchs workrate font bien plaisir au public et font quand même des notes bien sympathiques. J'ai quand même cette division hardcore à entretenir derrière. Il y a des talents qu'on veut construire. Et il y a des gens qui nous cassent les couilles. C'est vrai qu'il va falloir prendre des décisions à un moment. Bon, je m'avance jusqu'au booking de notre événement. Et on revient tout de suite. Ah, des locker room incidents, comme à l'habitude. John Cronus et Pitbull Durante. Tiens, les Pitbulls. Ok. John Cronus. Alors, les Pitbulls. Il y a un Pitbull et il y a Cronus. Putain, de la hit backstage. Ok. Parce qu'il a lancé une rip sur Pitbull Durante. Il y a presque une bagarre qui a commencé entre les deux. En tant qu'employeur, je dois choisir comment dealer avec John Cronus. Cronus qui nous emmerde. Je pense que je vais le dégager, Cronus. Cronus, il est pote avec qui? Il a de la Rush Championship avec qui? Avec personne, hein, à part Perry Saturn, New Jack. Alors ça m'énerve parce que John Cronus, c'est quand même un catcheur que j'aime beaucoup, de base. Hein, c'est... L'Eliminator, c'est excellent. Hein. C'est une excellente équipe, John Cronus et Perry Saturn. Il y a des trucs totalement cool. Je vous recommande les matchs où limite ils ont squashé les Dudleys, c'était exceptionnel. Avant ça, il y a une promo des Dudleys qui est incroyable. Je crois que c'est en 96 ou en 97, j'ai plus le nom exact, mais j'ai plus la référence exacte de ce pay-per-view, mais il faut le voir. Moment vraiment hyper cool dans cette espèce de chaudron de la FCW, c'est incroyable. Mais là, John Cronus, ça commence à faire beaucoup. Je vais garder Perry Saturn. Parce que j'aime beaucoup Perry Saturn. John Cronus, par contre, ça va dégager. Je vais faire un exemple. Avec John Cronus, les copains, et oui. Je vais virer John Cronus. Et il a amélioré son comportement après cet incident. Par contre, il va me détester. Ben voilà. Tu m'étonnes. Et il a une grosse dislike avec Pitbull Durante. Alors voilà, c'est super. Oh, et Pitbull Durante est pas content après ma décision parce qu'il a trouvé ça harsh, c'est-à-dire un peu sévère, un peu rude. Je fais ça pour toi, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Incident avec Taz. Oh putain. Taz, pareil, il fait des blagues backstage. Et elles ont pas bon goût. fine pour Taz. Ok, rien n'en résulte. Amende pour Taz. Ah ouais, là, Cronus, Ribbing, Pitbull, oh là là, là 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 là, que des notes négatives, 67% quand même, mais... et là, les rules backstage ont un effet positif de manière générale, désormais, depuis qu'on a rajouté une masseuse et... depuis qu'on a mis de la bouffe et une masseuse. Mais c'est quand même bien la misère, hein. C'est bien compliqué. Hein. J'ai pas Psychosis, ni Rey Mysterio, ni Scott Steiner pour ce soir. Ok. J'annonce avant que je vais pas faire de match entre Mikey Ripwick et Steve Austin parce que la feud vient de démarrer. Et je pense que si je fais gagner, alors j'aurais bien aimé faire gagner Mikey Ripwick sur Austin pour démarrer la feud, genre avec un coup de bol, je suis sûr et certain qu'Austin va faire la gueule. Donc je vais pas faire de match un contre un entre les deux. Je vais essayer d'équilibrer ça peut-être dans un three-way ou dans un tag. Je vais voir exactement comment j'intègre ça et on va booker ce show. November to Remember, c'est parti! Ah oui, je vais faire un medal. Donc finalement, je vais pas faire Cronus avec Bubba Ray. Est-ce que je peux faire un medal entre Bubba Ray Dudley et Devon Dudley? Parce que j'ai pas l'impression que les mecs sont potes. Hein. Ils sont pas annoncés comme potes dans le jeu.
influence positive. Non, Tommy Dreamer, il a une grosse amitié avec, avec Bubba et Dudley, mais il n'y a rien entre eux. Ils sont bons dans le ring, mais... Ah bah t'as super, maintenant ils ont une superbe relation. Ah bah impeccable. Voilà, effet positif. On a repris 1%, 68, très bien, impeccable. Allez, on est parti, je boucle le show. November to Remember, c'est parti. Et j'ai fait quelques... Ouais, j'ai quand même fait Mike et Whipwreck contre Steve Austin en 1 contre 1. J'ai pas trouvé de... d'autres solutions pour les mettre en tag ou autre, donc on verra bien. Et j'ai dépassé également la durée de 2 heures, un petit peu, et je pense que j'ai utilisé quasiment tout le roster dispo, par Perry Saturn, le malheureux, hein, qui va râler. Mais je trouverai une idée pour Saturn pour l'impliquer autrement par la suite. Mais on a très bien démarré, en tout cas avec un match hardcore entre Le Sandman et Axel Rotten. Je suis plus que surpris de la note, une note de 74. Fantastic Hit, Good Wrestling, Le Sandman bat Axel Rotten dans un match hardcore. Avec la White Russian Leg Sweep, l'idée derrière c'était que le Sandman reprenne du momentum petit à petit pour revenir dans le main event, et ça me fait vraiment un match très très bon, j'ai rien à dire là-dessus, j'avais fait ça en open match, 74 pour Hiro Show, c'est parfait. Un angle backstage avec The Rock, Paul Heyman et New Jack. Alors en fait ce qui se passe c'est que Paul Heyman a pas apprécié du tout se faire enquiquiner par The Rock lors du dernier épisode de Hardcore TV, enfin pas le dernier mais le précédent. Donc du coup, il a clairement dit à The Rock, t'as pas ce qu'il faut pour être extrême, hein, t'as gagné un match, c'est bien, mais si je te mets dans un match 3 contre 3 où face à toi, il y a des mecs qui sont extrêmes comme New Jack, est-ce que tu vas savoir y aller? Donc j'ai mis tout le monde en improvisation totale sur ce segment, bon ça me fait qu'une note de 58, ça garde quand même la foule assez chaude, et derrière j'ai fait un 3 contre 3 qui va mal se passer, ça je m'en doutais qu'il allait mal se passer parce que dans un match décent, Rocky Maivia, Bullpen et Jeff Hardy, voilà. Okay. On battu l'équipe de New Jack, Steve Corino et Kid Cash avec Rocky qui bat New Jack par soumission dans un sharpshooter. Alors je vous cache pas que l'idée derrière c'était que New Jack prenne un gros burial parce que New Jack, je vais le virer. Et oui, j'ai craqué les copains, je peux plus avec New Jack, on va te dégager New Jack. Transmission d'Overness donc du coup à Rocky Maivia, j'ai essayé de le faire dans ce sens là. Et tant pis s'il fait la gueule, tant pis pour le reste, tant pis si ça me fait qu'une note de 43. Il faut des fois des matchs un peu moyens comme ça pour avancer les histoires et New Jack. Allez hop, on se casse. Superbe segment derrière avec Terry Funk qui demande une opportunité au championnat de Raven. Terry Funk qui était l'ancien champion, il a perdu le championnat au Man Raven lors du précédent événement. C'est Tommy Dreamer qui est officiellement l'aspirant numéro 1 au championnat. Et pourtant, Terry Funk va demander à Tommy Dreamer de lui autoriser d'intégrer ce match. Tommy Dreamer, il voit pas d'inconvénient, il a beaucoup de respect pour Terry Funk, il mérite d'avoir une nouvelle chance au titre, hein, après s'être fait totalement screw par Raven lors du dernier match, il veut lui donner cette opportunité, du coup Raven va faire la gueule, Raven il est off screen, et on va voir Raven parler de ça donc un petit peu plus tard, la foule est hyper contente. Ça continue, tu vois, d'être bien. La storyline avance entre Raven et Tommy Dreamer. Et on va passer à la suite, super segment 73. Taz contre Rob Van Dam. Super note de 82. Alors là, j'ai mis une note, un truc de show stealer sur ce match. Pour qu'il ait vraiment, qu'on ait vraiment l'impression que c'est voilà, un gros match pour le championnat TV. Et ben, Taz va remporter le match, va battre Rob Van Dam dans un match de l'échelle, va faire sa troisième défense du championnat ECW. Il faut savoir que Taz a un momentum totalement dingue pour l'instant chez ECW, que Rob Van Dam gagnait pas mal de momentum au fur et à mesure des semaines. Donc pour ça, c'était mon excellent match pour la mid-card et ça me fait une super note de 82. Je suis pas du tout mécontent de ce qui a été fait. Rob Van Dam, d'ailleurs, super note in-ring à 75. Super Rob Van Dam sur ce match. Voilà, fantastique hit, Great Wrestling, parfait. Et nouvelle défense de titre pour Taz. Raven et Bulla McGillicuddy sont backstage et Raven est pas du tout content. Voilà, comme il le dit, il est hungry. At unfair decisions. Donc du coup... Il va dire à Terry Funk, j'accepte que tu viennes, d'accord, ok, mais avant ça, tu vas devoir battre Too Cool Scorpio. Et du coup, on va voir un match entre Terry Funk et Too Cool Scorpio. Et comme vous y attendez, et ben dans un match exceptionnel, en plus exceptionnel, Terry Funk va battre Too Cool Scorpio par soumission avec le Spinning Toe Hold et va se qualifier donc du coup dans le main event. Il a obtenu sa chance dignement en battant Too Cool Scorpio. Ça fait un excellent match, rien à dire là-dessus. Note de 78 pour Terry Funk, 70 pour Too Cool Scorpio. Note de 75, superbe match. Triple Threat, TLC match, pas terrible finalement. Les Dudley Boys contre les Public Enemy, contre les Pitbulls. Great Heat et Decent Wrestling pour autant. Les Dudley Boys ont battu Public Enemy et les Pitbulls dans un match TLC, premier TLC de l'histoire.
J'aurais peut-être pas dû mettre TLC, j'aurais dû mettre un match hardcore peut-être. Où Diven a récupéré l'objet. Alors, je vois pas pourquoi je prends une aussi mauvaise note finalement, parce que ah ouais, Diven note de 49 sur ce match, il était en dessous. Oulala, ouais, ils ont pas été exceptionnels sur ce match. Bon, crowd buzzing malgré tout, 45. Et la storyline entre les Dudleys et les Pitbulls avance mais perd de la hit. Bon, je suis un peu déçu finalement, le match n'est pas aussi bien déroulé que ce que je l'espérais. Il va falloir faire des TLC avec des Hardy Boys, des AJ Christian, mais j'ai pu m'attarder donc bon. J'ai tenté le coup, c'était peut-être pas le bon plan. D'ailleurs, avant de booker le match, j'ai dû garder strong Johnny Grunge dans mes Road Agent notes. Parce qu'il faisait la gueule hein, de pas gagner forcément Johnny Grunge qui est plutôt bien over. Faudrait peut-être que j'essaye. Alors Johnny Grunge est intéressant, Rocorock peut-être un peu moins, même s'il est over aussi. Johnny Grunge, il y a peut-être des opportunités à voir avec lui en solo, à voir pour la suite. Ok, merci les gars. Car Crash, 45, pas terrible. Et oula, et Bubber et Dudley me dit. Ah oui, alors oui, TLC c'est plutôt du high spot match. Et ça n'a pas été très intelligent. Ouais, high spot base match, voilà, bah tout le monde fait la gueule. Ouais, TLC, c'est pas trop pour tous ces messieurs, en fait. Ok, bon, c'est pour ça. Je comprends mieux. Steve Austin va faire une promo avant son match contre Mikey Whipwreck, parce que finalement, j'ai quand même fait un match à contrat entre les deux. Et ben, c'est bien, ça a fait avancer la storyline et ça a pris de la hit, donc très bien. Match entre les deux qui me fait une excellente note de 71. Exceptionnel match, Steve Austin bat Mikey Whipwreck en 14 minutes 44, quand Steve Austin bat Mikey Whipwreck tellement fort que l'arbitre est obligé d'arrêter le match. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Et ils ont une super chemistry à deux, donc tant mieux. Et la storyline avance sur ce segment. Quelque part, c'est très bien. Je pense que dans le dirt sheet, je vais avoir... Ouais, la hit est quand même basse entre Steve Austin et Mikey Whipwreck. Donc, j'aurai quand même ça à nous faire améliorer. Et Mikey Whipwreck est pénalisé également pour avoir un faible momentum. C'est vrai que je lui ai pas fait gagner beaucoup de matchs, mais il va revenir, Mikey Whipwreck, vous inquiétez pas. Je suis toujours dans les prémices de la storyline. Vous inquiétez pas là-dessus. Ça marque le point, Steve Austin, Mikey Whipwreck, Mikey Whipwreck va le faire chier, et ça va être bien. Le main event, match exceptionnel, Terry Funk a battu Raven et Tommy Dreamer dans un triple sweat hardcore pour devenir le nouveau champion de la ECW. Et bah oui, j'ai remis le titre sur Terry Funk. Tout simplement parce que la dernière fois, le match entre Raven et Terry Funk m'a fait une excellente note. Et Terry Funk, en fait, comme ça, dans les main events, c'est vraiment très très bon. Et ça me permet en plus de faire gagner de la hit à ma storyline entre Raven et Tommy Dreamer. Donc je vais pas m'en plaindre, ça marche super bien. Je vais rester donc du coup là-dessus, je vais remettre le titre sur Terry Funk. Raven, il l'a eu comme ça, un petit instant, un peu en grugeant. Terry Funk va redevenir champion. Voilà, ça va rééquilibrer un petit peu les choses. Alors Dreamer, ça doit lui faire chier finalement, parce qu'il va se dire, ah, merde, Funk, c'est un peu moi qui l'ai autorisé à revenir, tu vois, à venir dans ce match. Le mec, il était un peu opportuniste, ok. Bon, il a gagné sa chance contre Tommy Dreamer, contre Too Cool Scorpion un peu plus tôt, mais voilà, ça va brouiller un petit peu les pistes, et les gens sont hyper contents, forcément. On a 6384 personnes au New York Air Brooks Arena, et les gens sont ravis de cette décision, victoire de Terry Funk pour un show qui nous fait gagner de la popularité dans une région et qui nous fait une très bonne note de 75. On va faire un speech, bien entendu. On va essayer de dire à des gens qu'ils ont été incroyables. On va dire notamment, bah alors, Taz qui fait la gueule. Taz, je vais quand même lui dire que t'as fait une excellente performance. Parce que y a de quoi quand même, hein, superbe Taz. Qui a fait du très très bon boulot. Je vais pas dire à New Jack qu'il a fait du bon boulot, faut pas déconner, parce qu'on va le virer. Axel Rotten, je veux dire, oui, Axel Rotten, super performance de la part d'Axel. J'étais bien content pour lui, et... Ouais, qui faisait la gueule potentiellement. Je sais plus exactement qui fait la gueule dans tout ce beau monde. Je regarde Viteuf. Alors, Bubber et Dudley, non, et Devon, je vais pas les féliciter, c'était pas top top. Bonne question. Dira Francine qu'elle a fait du bon boulot. Bon. Elle a pas été utilisée sur le show, bah elle est là. Je vais faire un bisou, je vais faire un câlin à Francine. Voilà, voilà, tout le monde est content, Francine aussi. Allez hop. Parce que Francine, elle fait la gueule aussi. Puis c'est agréable d'aller faire un câlin à Francine. Oh là là, on va pas se plaindre. Hein. Le seul mec qui a des raisons de se plaindre, c'est New Jack. Hein ? Du Jack, on va y venir. Oula, il y a plein de gens. Il y a Doug Gilbert qui fait la gueule, c'est vrai que j'ai pas utilisé. Stevie Richards aussi que j'ai pas utilisé. Perry Saturn. Ah ouais, donc là, les mecs qui ont pas été utilisés, là par contre, ça fait la gueule. Ok, bon, super. Hein, déjà, super, ouais, nickel. Alors, ouais, Big Moral Issues hein, pour New Jack. Eh ben, New Jack, je suis désolé, les copains, j'essaie de résister autant de temps que j'ai plus. Mais là, je peux plus. New Jack est viré
je ne peux pas le garder. Voilà. Non, bah non, 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 attends, c'est pas ça, c'est... Voilà, non, pas là. Il faut que je clique sur sa caisse, release. Ah, KitKat, je vais faire la gueule. Ouais, de la merde. KitKat, il peut faire la gueule, pas de soucis. Au revoir, New Jack. Ça a remonté un petit peu les règles backstage, je pense. On est à 66, bon. Ok. John Cronus aussi a été viré, hein. John Cronus, c'est bon, il n'y a plus, hein. Alors, John Cronus dégagé aussi. Ok, très bien, impeccable. Selon Steve Austin, Kid Cash ne connecte pas avec les gens. Petite information, hein. Bien sympathique. Pourquoi ils font la gueule, tous ces gens-là, alors? Oui, alors lui, oui, oui, parce qu'il n'a pas été sur les shows, d'accord. Too Cool Scorpio. Oh, non, ça va, il n'y a rien par rapport à... Ok, très bien. Pitbull Durante. La décision avec John Cronus, ok. Taz, je sais. Alors, Perry Saturn, parce qu'il n'a pas été à Remember, tout ça. Hein, on va trouver une solution pour Taz, pour Perry Saturn. Steve Richards. Ah ouais, parce que je ne l'ai pas utilisé. Alors, Steve Richards, je peux comprendre qu'il fasse la gueule. Francis, Steve Richards, je le vois bien dans un programme avec The Rock. On peut peut-être faire une feud avec les deux, ça pourrait être pas mal. Francine. C'est pas possible, Francine, qui fait encore la gueule alors que je suis sympa avec elle. Je peux lui donner un bonus. On peut filer de l'argent aux gens, hein, pour qu'ils essayent de se calmer, mais je vais attendre quand même la fin du mois. Kid Cash, Moral Issues. Bah oui, parce qu'on a viré New Jack. Ok, bon. Super. Et Doug Gilbert. Ouais, parce qu'on l'a pas utilisé sur ce show-là. Bon, Doug Gilbert, c'est un petit peu moins grave. Enfin, c'est moins grave. C'est grave pareil. Bon, voilà. Mais ça me fait quand même un très bon show, hein. Et CW, ouais, 75, très bon writing, superbe show, pas de problème, j'espère que ça va, voilà, un petit peu motiver mes gens, hein, pour la suite. On va se booker Hardcore TV dans un petit instant, je vais regarder un petit peu où en sont les storylines avant de booker Hardcore TV. Et puis après, bilan économique du mois, les copains, hein. Ouais, ça risque d'être intéressant de voir si on a perdu énormément d'argent, autant que je l'imagine. Je pense qu'on a perdu beaucoup de sous ce mois-ci. On a peut-être fait un peu les cons. Enfin, c'est un équilibre, hein, qu'on est en train de se trouver petit à petit. Hop, Monsieur Dean Malenko qui va arriver en tant que babyface. Voilà, babyface. Sans push pour le moment. Je vais lui trouver un push dans un instant. Ok. Et je vais regarder les storylines du coup. Alors, Psychosis Rey Mysterio. Donc, eux, ils étaient au Mexique tous les deux. Raven et Tommy Dreamer, c'est remonté à 76. Donc, la bonne nouvelle. Steve Austin, Mikey Whipwreck, c'est à 67. Et, oula, Dudley contre les Pitbulls, c'est descendu à 48. Pas bon du tout. Hein, ça n'a pas été la bonne solution de les mettre dans un... J'étais un peu vite sur cette histoire TLC, je m'en excuse. Je suis désolé, j'ai merdé. Les titres. Alors, le prestige est monté pour le championnat ECW à 86 avec Terry Funk. Championnat ECW par équipe 66, un petit peu baissé. Et Taz reste à 71. Je m'attendais à ce que le titre TV prenne en prestige parce que ça fait quand même une très belle défense de titre pour Taz. Bon, Creative Mythique, je vais regarder qui a du momentum. Donc, Taz, les Dudleys ont du momentum. Raven a toujours du momentum. Et Steve Austin, ok. Alors Raven, on va essayer de lui conserver ce momentum. On va conserver celui de Tommy Dreamer aussi. Mikey Whipwreck, il va falloir lui en trouver du momentum à fond la caisse. Et après, voilà, Scott Steiner, Steve Corino, Psychosis, Stevie Richards. Ok, impeccable. Quelques petites informations. On va regarder un petit peu la size, viteuf. On est à 51, toujours dans la Twist State. Et ça a un peu monté encore dans le souci. C'est passé à 23, hein, c'est pas trop mal. Ok, très bien. Alors, la petite posinette. Alors, j'avais shortlisté Steven Regal, Monsieur William Regal, et j'apprends que la WWF lui a fait une offre. Ok, alors attendez, je sais pas, pour l'instant, il est toujours signé en contrat avec WCW, apparemment, il est dans... Ah ouais, non. Ah oui, d'accord, on est trop petit pour monsieur. Ah d'accord, ok, ah oh, ouais, quand même. À ce point-là. Ah merde. Oh, j'aurais bien aimé avoir Steven Regal. Apparemment, il est donc en négociation avec WWF. Ok, bah tant pis. Roster, on va tout de suite assigner. Alors, je fais un auto-push général et puis après, je regarderai ça dans le détail pour voir si tout est cohérent. Alors, super, j'ai le cas Roman Incident. Il y a Scott Steiner qui travaille ailleurs, donc je peux toujours pas avoir Scott Steiner. Alors, les backstage ratings sont remontés à 75 depuis qu'on a dégagé notre ami New Jack. Ça va quand même un petit peu mieux. Dean Malenko est d'ailleurs un locker room leader, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une excellente nouvelle. Bon, on va regarder les incidents, incident avec Rob Van Dam. Alors, Rob Van Dam s'est pris pas mal de hits de la part du reste. Oh là 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 là, ah, il a pété lui aussi, mais c'est pas vrai. Il a bouffé, Rob Van Dam il a bouffé le même truc que New Jack. Oh là 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 là, mais non, mais pfff. Rob Van Dam qui lâche des tonzes. Oh là 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 là, fine. Qu'est-ce que je fais, je lui mets une amende. Tiens.
c'est un peu compliqué. Bon, là, je vais pas lever. Par contre, bah, slap on the wrist. Il va pas vraiment améliorer son comportement, mais moi, je vais pas l'énerver, Lord Vandam. J'en ai besoin, Lord Vandam. Slap on the wrist. Rien. Ok. Woman. Elle a pas pété, elle aussi, non. Woman. Is in fine form before the show, keeping everyone in great mood. Ok. Ah bah très bien, bah merci Woman. Woman elle aide un petit peu à détendre l'atmosphère dans les backstage avec des hilarantes histoires sur les routes. Hein, les road stories totalement incroyables. Hein, imaginez des histoires avec Woman, hein. Elle a été arrêtée par un mec qui avait pas de slip, qui était voilà, qui était cul nu. J'en sais rien moi. Et du coup tout le monde est content, hein, backstage. Et puis elle a payé un coup à boire forcément, ça fait plaisir à Terry Funk, j'en sais rien. Mais bon, c'est bien. Woman telling road stories, bah ça aide. Et le fart incident de Rob Van Dam désormais, bah voilà, super, impeccable. Ça reste là un New Jack arguing with a fan. Eh ben, ok, bon allez, hop, on est parti. Je vais essayer un medal. Je vais essayer un medal entre qui? Je vais essayer un medal. Alors, Dean Malenko est pote avec avec Perry Saturn. Perry Saturn est pote avec Dean Malenko, ils sont potes K2. Dean Malenko, vu qu'il est très sympa avec plein de gens, je vais essayer de lui faire un medal avec qui a une influence bif bof, j'en sais rien, influence négative avec Paul Heyman. Pourrait devenir pote avec Paul Heyman, tu crois? J'en sais rien, non, pas d'effet, ok, c'était un petit peu random, mais j'ai tenté ça, bon, ok, super, allez, on est parti. Et le show est parti avec Steve Austin qui, après sa victoire, après l'humiliation qu'il a fait subir à Mikey Whipwreck, annonce qu'il veut le championnat de Terry Funk. Terry Funk qui vient à peine d'être champion et déjà emmerdé, ça y est, il y a déjà Steve Austin dans les bases, qu'est-ce qui m'arrive? Terry Funk va dire, ok, je peux comprendre, hein, t'as besoin d'être vaillant, etc. Mais j'ai pas vu quelqu'un de vaillant contre Mikey Whipwreck il y a quelques jours. Hein, je t'ai vu plutôt lâche quand il était blessé, que t'as continué de l'attaquer, etc. Donc, on va faire ça, on va faire un tag ce soir. Donc, je vais me trouver un partenaire. Steve Austin dit qu'il a déjà son partenaire parce qu'il sait que ça va être le Sandman, hein, puisqu'il est pote avec le Sandman. Et donc, du coup, ça me fait un très bon segment pour démarrer à 74. Steve Austin et Mikey Whipwreck, en plus, la storyline avance et gagne de la hit. Donc, quelque part, tant mieux. Dean Malenko contre Perry Saturn. Alors là, j'ai pas voulu m'emmerder, j'ai voulu me dire, allez hop, on est parti, on fait juste un petit match comme ça pour se faire plaisir. Et bah, ça a bien fait buzzer la foule, hein, on est plutôt pas mal. 61, très bonne note, note correcte, hein, pour Dean Malenko pour ses débuts contre Perry Saturn. Dean Malenko qui va battre Perry Saturn, prendre comme ça un petit peu de momentum pour essayer de se positionner, je pense, aux alentours des championnats TV, qui pourrait essayer d'aller rechercher. Je crois qu'il était champion TV, hein, l'ECW, si je dis pas de bêtises. Grosse feud avec Eddie Guerrero notamment. Paul Heyman, avec qui j'ai décidé de faire une feud avec The Rock, parce qu'en fait je me dis c'est cool, c'est plutôt chouette, à chaque fois The Rock il fait chier Paul Heyman, et Paul Heyman va dire ok, bah écoute, Bula McKinkety, t'es là, bah va chercher ton mec Steve Richards, et on va faire un match entre les deux, et je suis sûr que tu peux pas battre Steve Richards, parce que lui c'est le cœur de l'AECW, et Rocky Maivia, donc ça marche super bien, hein, il est hyper bon en improvisation, comme d'hab, Paul Heyman aussi, et la storyline donc du coup entre Paul Heyman et The Rock commence ici. Bon, elle a commencé un peu avant, mais là j'ai décidé vraiment d'en faire une storyline, on va voir ce que ça a donné. Et ben, Steve Richards va battre The Rock, va battre Rocky, suite à une distraction de Paul Heyman qui avait trouvé un plan pour, voilà, il a distrait The Rock, et Steve Richards va remporter la victoire en 6 minutes 15, et ça me fait une note, bon, de 49, c'est pas exceptionnel, on est dans la mid-card, mais bon, ça peut aider. Si ça peut aider, donc du coup, The Rock à se fondre, tu vois, dans la masse ECW, tant mieux. Steve Richards, comme ça, il a un petit peu de boulot, puisqu'il a pas bossé la dernière fois. 49. Basique. Dans un match décent, Jolly Grudge va battre John Zandig dans un match hardcore, rien de dur, hein, 61, open match. C'est histoire d'utiliser un petit peu Zandig, qui continue de faire des progrès. Là, on est passé à 34, et Jolly Grudge, voilà, pour pas qu'il me fasse la gueule parce qu'il a perdu sur le match championnat par équipe, j'ai voulu le tester comme ça dans une rencontre solo, et je lui donne un petit peu de momentum au passage. Victoire de Jolly Grudge. Et dans le main event, donc du coup, enfin juste avant le main event, promo micro, Whipwreck. Je me suis trompé, j'ai marqué Whipwreck au lieu de Whipwreck. Ok, super, bien sûr. Terry Funk va choisir donc Mikey Whipwreck comme partenaire. Et oui, il est revenu déjà.
Terry Funk, Mikey Whipwreck contre Steve Austin et le Sandman. Ah bah tiens, hein, il fallait s'y attendre. 74 pour le segment, et le match derrière me fait une super note de 73, impeccable, fantastique hit, et Great Wrestling, bah Terry Funk et Mikey Whipwreck vont battre Austin et le Sandman quand Whipwreck va faire le tomber sur le Sandman, après un Whipper Snapper. Alors, apparemment, Mikey Whipwreck c'était le weak link sur les performances de tout le monde. Malgré tout, hein, ça a quand même bien donné, 73, je suis plutôt content. La storyline avance entre Austin et Whipwreck. Quelque part, tant mieux, ça me fait une note de 70, on fait là un très très bon Hardcore TV pour terminer le mois. Et puis voilà, les copains, on va perdre beaucoup d'argent, je pense, encore une fois. J'ai très peur, hein. Le bilan économique, là, il m'effraie. Mais je crois que si on n'a pas perdu quelque chose, on va avoir une balance négative, je sais pas, moi, de 30 000 dollars en main. Parce que là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment craqué le sac, hein, avec les stars et avec leur nombre d'apparitions. J'ai vraiment fait quelque chose d'un peu gros. Mais bon, voilà, en prestige, tu vois, on est passé à 50, momentum, on est toujours à 94, alors je te dis pas le momentum à combien il va être après, bon, il y a toujours des morales issues qu'il va falloir essayer de gérer. Donc Stevie Rich, ouais, ok, alors oui, Steve Austin dit, John Zandig is clumsy, ah ouais, carrément. Il est dangereux, il faudrait arrêter le gamin avant qu'il blesse sérieusement quelqu'un. Ah, Johnny Grunge, apparemment, ça a été hein, son match contre John Zandig. Bon, c'est le risque en même temps, mais bon, c'est des risques qui sont bons à prendre par moment dans le business. Bon, alors, bilan économique, on va y arriver. Le bilan économique du fond, on a fait du profit. On a fait 10 000 balles de profit bientôt et 9 235 dollars de profit. Excellent. Prestige à 50, momentum passé à 100. Alors, je suis hyper agréablement surpris. J'ai hâte d'aller voir les finances, du coup, parce que c'est un peu inespéré. D'avoir fait tant de profits, cash at the end de 5 524 000, ok, performance impeccable. Avec l'utilisation de tant de stars, et ben putain, je m'y attendais pas. Ticket sales, ah oui, bah les ticket sales, alors un peu moins bien que la dernière fois, parce qu'on a fait, rappelez-vous, on a fait un show dans le South East, et on a quand même moins de popularité là-bas. TV revenue, on est quand même à 15 120 dollars. Bah c'est pareil hein, que d'habitude. Voilà, moi je m'étonne, ouais, on est quand même à 15 000, mais en fait c'est pareil. Qu'est-ce qui a bien marché alors? Merchandising, ok. Alors, Misk, ok. Bon, ça c'est pareil. Le coût des workers, il a coûté quand même plus cher. Est-ce qu'on a pris de l'argent? Ouais, donc c'est juste un petit peu le coût des workers. Il y a 7000 dollars de différence. Qui fait que malgré tout s'équilibre plutôt bien. Hein. Tout s'est bien équilibré. On a économisé de l'argent en show cost. Oui, parce qu'on a loué une salle un peu moins chère en même temps, comme on a été dans un endroit un peu plus restreint. Bah écoutez, ce qui est quand même loin d'être déconnant, les copains. Hein. C'est loin d'être déconnant du tout. Avec du just in time et tout ça. Bon, écoute, hein, si on continue de faire de l'argent, malgré tout, tout va bien. 524 000 dollars. Je suis très agréablement surpris. On va regarder un petit peu la size. On est dans la Twisted désormais à 52, donc ce qui est très très bien. Le souci, c'était resté à 23. Il va peut-être falloir aller travailler le New England. Donc là, qui est repassé à 30. Hein, donc le Twisted a une influence sur le New England. Donc si on continue de monter dans le Twisted, tant mieux. Non, non, c'est loin d'être déconnant. Hein. C'est loin d'être déconnant. Si je regarde le track progress, ouais, ça progresse. Donc du coup, le South East, on a pris 4 points en termes d'importance. De popularité. Hein, notre importance, mais quand même. Mid-Atlantic 24. Ok, donc ça monte un petit peu, et New England par contre rien. Ce serait bien quand même de voir si on a des nouveaux broadcasters disponibles. Ça a pas l'air de bouger au niveau des broadcasters. Hein. Non, c'est toujours à Mid-Atlantic, la Twisted, 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 Scotland, et Twisted également. Donc là, il n'y a pas de changement encore. Non, bah avec tout ça, je vais pouvoir faire un peu le ménage peut-être dans la structure sur les personnes que j'ai moins utilisées ou qui pourraient faire la gueule et recruter d'autres catcheurs de talent hein, les copains parce que ouais finalement ça passe plutôt bien et si je peux avoir des influences un peu plus positives pour booster un petit peu ce backstage rules et des catcheurs voilà que j'utilise un petit peu moins commencer à faire un ménage, on va faire ça je pense pour le prochain épisode mais je suis très agréablement surpris de ce résultat. Alors Hack Myers, oui bah oui, il va prendre des tips auprès de Hack Myers, ouais, que j'utilise pas, hein. En général, quand j'ai besoin d'un job de la part d'un heel, j'ai Christian et Edge. C'est un peu complexe pour moi, voilà, d'après, de trouver ça, mais il y a des gens qu'on va dégager, il y a peut-être des équipes qu'on va créer, des équipes qu'on va former pour attaquer ce mois de décembre, mais je suis très agréablement surpris de la bonne performance et de la bonne santé de la structure à ce moment précis, voilà, en plus la note backstage est remontée à 76, donc ce qui est plutôt chouette, hein. Les gens peuvent péter backstage, mais maintenant ça se passe un peu mieux.
C'est bien le catch quand ça marche bien. Moi, je suis hyper content là. C'est très très bonne chose. Voilà, je regarde un petit peu les momentum. Alors, Mikey Whipwreck, du coup, avec cette victoire en fin de show, va reprendre un peu le momentum. Alors, Perry Saturn, on en a plus du tout, par contre, ça pue la merde. Ok. Bah, qui sont les catcheurs qu'on peut me suggérer à recruter là pour ce début du mois? Chavo Guerrero Jr. Oui, qui pourrait être une bonne addition au roster, un bon heal en mid-card. Al Snow, Billy Kidman, Shannon Moore et Shane Helms, ce qui ferait plaisir, je pense, à Jeff Hardy, d'avoir deux de ses protégés dans le coin, enfin deux potes à lui. Ok, bah écoutez, je vais regarder tout ça d'un petit peu plus près, on va essayer vraiment de faire avancer la structure au mieux. C'est un bon November to Remember, excellent show, on a fait de bonnes choses. Et bah écoutez, les copains, on va s'arrêter là, hein, on va s'arrêter sur ces bonnes nouvelles. Je vous fais des gros bisous à tous, n'hésitez pas à continuer de réagir dans les liens en dessous de la vidéo, continuez de, enfin dans les liens, dans les commentaires en dessous de la vidéo, tous les liens hein, de la chaîne sont aussi à dispo, hein, le Tipeee de la chaîne, la boutique c'est celle 4, il y en a qui reçoivent leur t-shirt, j'ai vu, eh pas mal, hein, voilà, moi pour la peine, pour l'occasion, j'étais à Paris, c'était samedi, on va en parler sur la chaîne, parce que là j'enregistre avant d'être à Paris et je vous sors l'épisode pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent au courant du week-end. Et puis voilà, tout va très très bien à la ECW, je suis très content, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi, ciao, bye bye.